Ah, mais c'est lui au tribunal. Et c'est lui-même. Oh, mon cher ami, comment te portes-tu? À merveille, mon cher Frontin. À merveille. Comment la fortune t'a-t-elle traité depuis que je ne t'ai vu? Comme tu sais qu'elle traite tous les gens de mérite. Cela veut dire très mal. Oui, je lui ai pourtant une obligation. C'est qu'elle m'a mis dans l'habitude de me passer d'elle. Voilà ma façon de penser. Diantre, je n'aurais jamais soupçonné que tu deviendrais philosophe. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce paquet-là que tu portes? C'est le triste bagage de ton serviteur. Ce paquet enferme toutes mes possessions. On ne peut pas les accuser d'occuper trop de terrain. Depuis 15 ans que je roule dans le monde, tu sais combien je me suis tourmenté, combien j'ai fait d'efforts pour arriver à un état fixe. Je me suis vu quelquefois à mon aise, mais le moyen d'y rester, avec le jeu, le vin et les femmes. Comment se mettre à l'abri de ces fléaux-là? Oh, ne t'afflige point, mon cher ami. J'ai un parti à te proposer. Je dois aller coucher ce soir à Paris où l'on m'envoie, et je cherchais quelqu'un qui t'a ma place auprès de mon maître pendant mon absence. Veux-tu que je te présente? Oui, da, et qu'est-ce que c'est que ton maître? Fais-y, bon cher, car dans l'état où je suis, j'ai besoin d'une bonne cuisine. Ah, tu seras content. Tu serviras la meilleure fille. Pourquoi donc l'appelles-tu ton maître? Fond de moi, je ne sais ce que je dis, je rêve à autre chose. Tu me trompes, Frontin. Ma foi, oui, Trivelin. C'est une fille habillée en homme dont il s'agit. Je voulais te le cacher, mais la vérité m'est échappée et je me suis blousée comme un sot. Sois discret, je te prie. Je le suis dès le berceau. C'est donc une intrigue que vous conduisez tous deux ici, hein, cette oui. fille-là et toi. Oui, cachons-lui son rang. Mais la voilà qui vient. Retire-toi, Laka, afin que je lui parle. Eh bien, m'avez-vous trouvé une domestique? Oh, mademoiselle, j'ai rencontré... Vous m'impatientez avec votre demoiselle. Ne sauriez-vous de m'appeler monsieur? Je vous demande pardon, mademoiselle. Je veux dire monsieur. J'ai rencontré un de mes amis qui est fort brave garçon. Il est là qui attend que je l'appelle pour vous offrir ses respects. Et vous n'avez peut-être pas eu l'imprudence de lui dire qui j'étais? Ah, non, non, non. Monsieur, mettez-vous l'esprit en repos. Je sais garder un secret, pourvu qu'il ne m'échappe pas. Mais souhaitez-vous que mon ami s'approche? Je le veux bien, mais partez sur le champ pour Paris. Je n'attendais que vos dépêches. Voici votre commission. Écoutez-moi. Vous direz à ma sœur qu'à la dernière partie du bal où mes amis m'amenèrent, dans le déguisement où me voilà, le hasard me fit connaître le gentilhomme que je n'avais jamais vu et qui est ce Lélio avec qui le mari de ma sœur a presque arrêté mon mariage. Quelle surprise de le trouver à Paris sans que nous le sachions et le voyant avec une dame. Je résolus de profiter de mon déguisement pour me mettre au fait de son cœur et de son caractère. Qu'enfin, nous lions amitié ensemble, aussi promptement que les cavaliers peuvent le faire, et qui m'engagea à le suivre le lendemain à une partie de campagne chez la dame avec qui il était, que nous y sommes actuellement, et que j'ai déjà découvert des choses qui méritent que je les suive avant que de me déterminer à épouser Lélio. Mais partez, ne perdez point de temps, et faites venir ce domestique que vous avez arrêté. Le voilà, monsieur. Garde-moi le secret. Je te le rendrai mot pour mot comme tu me l'as donné, quand tu voudras. Approchez. Comment vous appelez-vous? Monsieur, j'aurai l'honneur de vous dire que je m'appelle Trivelin. C'est un nom que j'ai reçu très correctement de père en fils et de tous les Trivelins qui furent jamais. Votre serviteur s'estime en ce moment plus heureux de tous. Il se moque de moi. Vous riez, je pense. C'est la joie que j'ai d'être à vous. Je vous avertis, moi, que je vous renvoie et que vous ne m'êtes bon à rien. Je vous suis bon à rien. Ce que vous dites là ne peut pas être sérieux. Cet homme-là ne te sera pas. Retirez-vous. Où vous attendrai-je? Nulle part. Nulle part, dis non point. Le temps se passe. Et nous décidons rien. Oh, il me prend envie de te traiter comme tu le mérites. Ne gesticule pas de cette manière-là. Ce geste n'est point de votre compétence. Je suis trahi. Masque, je vous connais. Toi? Oui. Frontin, vous connaissez pour nous deux. Oh, le coquin. Et
t'a-t-il dit qui j'étais? Il m'a dit que vous étiez une fille. Et moi, je l'ai cru. Puisqu'il m'a trahi, il vaut autant que je t'instruise du reste. Il faut le tromper. Mon déguisement. Regarde une dame de condition, ma maîtresse, qui a des vues sur Monsieur Lelio que tu verras, et qu'elle voudrait détacher d'une inclination qu'il a pour une comtesse qui appartient à ce château. Et quelle espèce de commission vous donne-t-elle auprès de ce Lelio, soubrette de mon âme? Ma charge, sous cet habit-ci, est d'attaquer le cœur de la comtesse. Si elle vient à m'aimer, on la ferait rompre avec Lelio. Il reviendra à Paris, on lui proposera ma maîtresse qui est, et les noces seront bientôt faites. Oh, tiens, voilà déjà 6 louis d'or d'avance pour ta discrétion. J'ai assez de cœur pour refuser. Mais donne, la main qui me la présente étourdit ma générosité. Ah, voici Monsieur Lelio. Retire-toi et va-t'en m'attendre à la porte de ce château. Chevalier, je vous cherchais. Ah, qu'avez-vous, Lelio? Je vous vois enveloppé dans une distraction qui m'inquiète. Je vous dirai ce que c'est. Eh bien, mon cher, de quoi s'agit-il? Tout est beau et bien fait. Devine à quel dessein j'étais engagé à nous suivre avec tutèse. Agrément, il s'agit de te faire aimer à la comtesse. Tu badines! Ne sais-je pas que tu l'aimes, la comtesse? Non, j'aimais la comtesse parce qu'elle est aimable. Je devais l'épouser parce qu'elle est riche. Mais, dernièrement, on m'a proposé en mariage une demoiselle de Paris et qui me donne 12 000 francs de rente. Le comtesse n'en a qu'un 6. J'ai donc calculé que 6 valent moins que 12. N'est-il pas vrai? Honnête homme, mais qu'est-ce qui t'embrasse là dedans? Il s'agit d'être infidèle, d'aller la trouver et de lui porter ton calcul, de lui dire « Madame, comptez-vous même. Voyez si je me trompe. Voilà tout. » Oh! Mais il y a une petite pine qui m'arrête. C'est que, pour achever le char que j'ai fait il y a quelque temps de Nouvelle-Terre, Madame la Comtesse m'a prêté le sang de 10 000 francs, dont elle a mon billet. Ah, tu as raison. C'est une autre affaire. Et outre de le sang de 10 000 francs, dont elle a mon billet, nous avons fait intérieurement à celle-là un dédit entre elle et moi de la même sang. Si c'est moi qui rompe avec elle, je lui devrai le billet et le dédit. Et je voudrais bien ne payer ni l'un ni l'autre, m'entends-tu? L'honnête homme, je commence à te comprendre. Voici ce que c'est. Si je donne de l'amour à la comtesse, tu crois qu'elle aimera mieux payer le dédit en te rendant ton billet de 10 000 francs que de t'épouser. N'est pas cela? Tu entres, on ne peut pas mieux dans mes idées. Mais crois-tu que je puisse prendre le cœur de la comtesse? Je n'en doute pas. Je me suis aperçu que la comtesse aime ta compagnie. Et te lui suivant te trouve de l'esprit. Il n'y a que à suivre à cela. Leur tempérament. Oh, mais j'aperçois la comtesse. Et je te recommande une chose. Pas toujours de l'aimer. Si tu te montrais inconstant, cela intéresserait sa vanité. Elle courrait après toi et me laisserait là. Je me convenerais bien. Je vais au devant d'elle. Si j'avais épousé le seigneur Lelio, je serais tombée en des bonnes mains. Mais puisque je suis en train, continuons pour punir ce fourbe-là et pour en débarrasser la comtesse. J'attendais une opposition, madame. Je crois les presser moi-même. Je vous laisse avec le chevalier. Il va nous quitter. Je crois qu'il vous craint. Je vous prie de le rendre un peu plus raisonnable. Je reviens dans l'instant. Quoi, chevalier? Vous prenez de pareils prétextes pour nous quitter? Comment? Que vous vous défiez de votre cœur auprès de moi? Moi, m'en défier, je m'y prendrai un peu tard. Non, madame, le mal est fait. Il ne s'agit plus que d'en arrêter le progrès. Vous êtes bien galant. Cependant, ne vous gênez point. Sans doute quelque inclination vous appelle à Paris et vous vous ennuyez avec nous. Non, je n'ai point d'inclination à Paris. Si vous n'y venez pas. Nous ne pouvons avoir notre divertissement que tantôt. Allons donc attendre chez vous, madame.